Je m'appelle Mathilde Ely, je suis diplômée de l'ESSEC en 2021 et j'ai reçu le Runner-Up Student Prize pour mon court-métrage Adage au ASBOF Festival. Adage, c'est un court-métrage documentaire fiction et expérimental qui est avant tout basé sur la sensation de la danse, et je dirais plus que c'est un adage plutôt qu'un court-métrage. Grâce à ma formation, j'ai appris toutes les techniques de réalisation d'un film, de la préparation au montage, et c'était très enrichissant, et moi j'étais en section documentaire, donc j'ai été beaucoup aidée par mon professeur Simone, et j'ai pu réaliser ce court-métrage toute seule parce que j'avais une équipe que j'ai choisie qui était super, et on avait chacun un poste qui était très spécifique. Le festival ASBOF, c'est le premier festival de films de mode international, créé par Diane Pernet en 2008. En anglais, ça veut dire A Shaded View of Fashion Film. Et cette année, il y avait une dizaine de catégories avec des réalisateurs de toutes nationalités. Avoir gagné ce prix représente beaucoup pour moi parce que c'est mon premier film, donc je trouve que c'est significatif de recevoir son premier prix. Ce qui m'a plu à l'ESSEC, c'est qu'on a eu la possibilité de rencontrer des intervenants qui travaillaient dans le milieu du cinéma et qui étaient très intéressants. Tout le cursus a été très enrichissant parce que c'est une prépa, puis un cycle 1, puis une spécialisation. Et je la recommande parce que c'est une école qui nous apprend beaucoup de choses sur le milieu du cinéma et qui nous laisse en même temps un peu de temps libre pour travailler nos projets. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, ce serait de travailler sur des projets qui nous passionnent et qui nous animent parce que c'est cela qu'on portera jusqu'au bout.